Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée, Réveil d'Afrique. Alors que son interrogatoire s'est poussé, capitaine Moussa Dadis Camara vient de piquer une prise de collet noir au point de s'emporter. Tout est parti d'une question de la substitut du procureur Déné Keïta, qui, après avoir décrit certaines inconduites d'alors, a qualifié son régime de dictatorial et d'oppresseur. Elle a aussi relevé qu'en 2009, l'ex-président d'Alice Camara s'était substitué au procureur pour, dit-elle, faire arrêter des citoyens. Ces déclarations ont mis l'ex-président dans tous ses états. D'Adis Camara ainsi a rappelé à la représentante du ministère public que personne ne peut égaler ce qu'il a réussi à faire. Ce que monsieur le président d'Adis Camara a fait de ce pays en 11 mois, personne ne l'a fait, a-t-elle déclaré. Alors, d'un ton ferme, il a demandé à la jeune dame de céder partie des déclarations qui sont faites sur les réseaux sociaux. Plus loin, le capitaine, il est allé jusqu'à dire que les jeunes magistrats qui le jugent aujourd'hui sont les fruits de sa vision. Comme si cela ne suffisait pas, le capitaine, dans sa colère, est allé jusqu'à qualifier le procureur de manque de professionnalisme. L'audience a été ainsi suspendue à la demande du ministère public. Eh bien, les amis, c'est ici que prend fin ce bulletin d'information. Restez abonnés à la chaîne, partagez si vous la trouvez intéressante. À très bientôt pour un nouveau bulletin d'information.